sur les lignes de côté, présenté par Sport Expert, grand partenaire national. C'est immense! Bonjour, ici Laurent Duvernay-Tardif. Aujourd'hui, je suis à l'anneau de longue piste pour rencontrer Olivier Jean et l'entraîneur Marcel Lacroix. Pourquoi on a fait le changement du courte piste au longue piste? Il faut absolument qu'Olivier connaisse un bon départ. J'ai de la misère à me voir progresser après les Jeux de Sochi encore pendant 4 ans. Le longue piste m'a auparavant jamais intéressé parce que je suis pas du genre à aimer courser toute seule, le contre-la-montre. J'aime mieux l'action, un sport un peu plus extrême. Donc vraiment, le départ en groupe, pour moi, ça m'a parlé puis j'ai immédiatement fait le changement. Tous les atouts puis les apprentissages que j'ai faits en courte piste, bien, je peux l'appliquer aux longues pistes. Nous, on utilise ça en football, mais pour courir en ligne droite. J'ai vu sur le milieu de la patinoire, les gens utilisent ça pour faire des pas de côté. Comment on utilise ça version patinage longue piste? Les enfants de 6, 7, 8 ans sont capables d'en faire très bien. Ce qu'on va voir si toi, t'es capable. Je suis même pas sûr que je suis assez mince pour mettre ça. Il rentre même pas dans l'élastique. On va lever la jambe gauche pour avoir tout le poids sur la jambe droite. Et ensuite, ben, c'est de croiser. Je t'offre la résistance, dans le fond? Faut que tu avances avec moi un peu. Okay. T'as-tu de la misère à me retenir? Je mets-tu un peu de pression? Premièrement, tu vas avoir les genoux la même largeur que tes épaules. Ouais. Tu peux tourner les épaules, il faut que tu penses à ton aérodynamisme. Exact. C'est impossible! Je peux pas le tenir! Je pèse 350 livres! Lève ta droite, croise. Marcel, on sait que le patinage longue piste est probablement un des sports d'endurance les plus difficiles avec le ski de fond. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi intense que ça? Ils doivent balancer sur une lame qui est à 1 mm d'épaisseur, sur un berceau, puis qu'ils doivent balancer de côté pour aller en ligne droite. Donc, c'est un sport extrêmement, extrêmement technique et qui demande un effort physique extrême. Olivier, j'ai fait 2 fois 8 pas de patin. Après 4500 mètres sur 5000 mètres de fait, à quel point ça fait mal? Ça fait mal 10 sur 10. C'est une grimace, mais il s'y gagne. Ça brûle, hein? Olivier, merci infiniment d'avoir pris le temps. C'était super intéressant, puis meilleure des chances avec le départ en groupe. Merci. Sur les lignes de côté, vous ont été présentés par Sport Expert, grand partenaire national.